Thiers, capitale de la coutellerie, fleuron de l'industrie française, fournit des couteaux depuis 6 siècles à la France entière et dans le monde. Aujourd'hui, une menace réelle étend son ombre au sein de la ville. C'est des couteaux avant de passer. Ça vous intéresse? Ouais, pas mal. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, merci. Viens, allez, viens, allez, on va venir avec moi, il y a un mec qui vend des couteaux sous le manteau. Ce serait bien d'aller. Ouais, aller sous le manteau. Au niveau, au niveau. C'est bon, les couteaux. Oh, ouais. Les couteaux. Ouais, allez, viens, arrêtez, 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 arrêtez. Allez, viens, on va te mettre dans un coin tranquille, là. Ça fait peut-être un peu long pour discuter, les gars. Non. T'as pas peur de vendre des couteaux de merde comme ça, Thiers? Hop, capitale de la coutellerie, mon pote. Non. Franchement, non. T'as pas honte de toi? Non. T'es sûr? Non. T'as une bonne assurance vie, j'espère. Ouais, ouais. Hein? Non, non. T'as une bonne assurance vie? Non, ouais. Hey, papy, regarde ça un peu ce qu'ils vendent. Ouah, des paquets de bouse. C'est des contrefaçons? Ouais. Bah, ça c'est bien de la merde, ça. Ah, regarde ça. Ah. Trempé au soleil et revenu à l'ombre, ça. D'ailleurs, tu me prêterais pas ton tonneau là-bas derrière? J'ai une petite idée derrière la tête. Ah oui, y'a pas de soucis. Ah, nice. Et... faites pas trop les cons quand même. DJ S.
Merci les amis pour ce joli voyage. On est trop bien en Chine. J'ai lancé ma production. Vous n'avez pas les baguettes?